Bonjour. Vous savez que le congrès du SNEL se prépare, Assemblée Générale et Congrès, les 23 et 24 janvier prochains. L'Assemblée Générale, c'est un temps fort dans la vie d'une association comme la nôtre, d'une organisation professionnelle de chef d'établissement. C'est l'occasion, bien sûr, d'élire un conseil d'administration, de le renouveler. C'est aussi l'occasion d'échanger, d'écouter rapports d'activité, rapports financiers, de prendre des décisions avec des orientations majeures. Et vous savez que cette année, c'est une année immobilière pour le SNEL. Donc c'est très important d'être présent à l'Assemblée Générale. Le 23 et le 24, nous serons réunis en congrès. Un congrès dédié cette année à l'anniversaire de la loi Debré, cette loi de 1959 dont nous aurons l'occasion de fêter les 60 ans au courant de l'année 2019 et qui porte sur le contrat d'association qui définit nos relations avec l'État. Et vous vous en doutez bien, 60 ans après, aujourd'hui, il faut repenser cette association avec l'État, penser plus large aussi, penser aux nouveaux modèles économiques, à d'autres formes de développement des établissements, faire en sorte que ce contrat d'association vive bien comme une association de partenaires, et c'est bien tout l'engagement du SNEL pour une bonne part. Je serai très heureux de vous retrouver les 23-24 janvier prochains et je vous dis à très bientôt.